Les trois gendarmes tués hier dans le département de Samourougouan par un groupe armé ont été inhumés ce soir même à Bobo-Dioulasso avec tous les honneurs. Le chef d'état-major général des armées et une délégation gouvernementale étaient sur place pour leur rendre hommage. Moumouni Barou. La mort vient de frapper la famille gendarmerie. Boumoudi Ossini Paulin, Dakou Parou, Issa Michel et Loué Ousmane ont trouvé la mort à la brigade territoriale de gendarmerie de Samourougouan ce vendredi 9 octobre à 4h30 suite à une attaque perpétrée par des assaillants non encore identifiés. Mais tout laisse à croire qu'il s'agirait des terroristes selon les sources militaires. Ce samedi donc, un hommage est rendu aux victimes. Et en signe de respect, les trois martyrs ont eu droit à une séance de prière pour que le Seigneur leur ouvre la porte du paradis. La hiérarchie militaire, avec en sa tête le chef d'état-major général des armées et une délégation ministérielle, ont effectué le déplacement pour la circonstance. Après cette étape, les corps sont acheminés au cimetière militaire. L'oraison funèbre et une minute de silence. Et voilà, désormais, les corps reposent là pour l'éternité. C'est avec beaucoup de peine, beaucoup de douleur et beaucoup de consternation que nous sommes témoins du départ de nos trois frères d'armes qui, engagés dans la région de Samourougouan, accomplissaient avec professionnalisme leur mission pour la sécurité et la paix du Burkina Faso et au profit des populations. Donc je voudrais ici saluer le courage et l'engagement de tous les personnels des forces de défense et de sécurité engagées en ce moment précis pour préserver la paix et la sécurité afin de permettre à notre nation de poursuivre sa marche dans cette étape, la transition, pour permettre aux autorités d'achever les tâches, les missions qui sont les leurs et qui sont celles du Burkina Faso. Pour ce qui est de la situation, les forces de sécurité quadrillent la localité de Samourougouan et tout est mis en œuvre pour traquer les assaillants. Et nous avons depuis 48 heures déployé des unités dans la région et donc nous sommes à l'œuvre et je fais confiance aux professionnels des forces de défense et sécurité et pour parvenir à l'anéantissement de ces terroristes. Et nous le faisons en partenariat avec les amis du Burkina Faso parce que ce phénomène ne concerne pas seulement que le Burkina Faso, il concerne aussi le Mali. Par ailleurs, le gendarme qui était porté disparu est retrouvé sain et sauf.
Je vous le disais en titre, selon certaines rumeurs et un quotidien de la place, la Côte d'Ivoire aurait rappelé son ambassadeur au Burkina pour consultation. Information démentie ce soir par le ministère des Affaires étrangères, selon son secrétaire général, il n'en est rien, bien au contraire, une mise au point recueillie par Bouma Ernest Nebié. Je n'ai pas connaissance de cette réalité qui, je crois, relève jusqu'à présent de la rumeur, par ailleurs non fondée. Si vous parlez de l'ambassadeur Touré Abdou, il était en fin de mission depuis déjà 3 mois et il a même été reçu en dernière audience par le chef de l'État pour ses adieux, parce que simplement rappelé et nommé à Paris auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous avons au Burkina un chargé d'affaires qui agit en lieu et place d'un ambassadeur titulaire qu'il n'y a pas en ce moment. Mais on ne peut rappeler qu'un ambassadeur accrédité. Un chargé d'affaires ne saurait être appelé. Et j'ai eu un entretien et aujourd'hui même avec le chargé d'affaires qui m'a rassuré de l'excellence de ses relations. Il s'appelle Jonathan Liliou et c'est un sacré vénard. Il vient de gagner la rondelette somme de 41 millions de francs CFA au PMUB. La Loterie nationale lui a remis son chèque hier. Bouma Ernest Nebié. La Loterie nationale burkinabé vient de faire encore un grand heureux. Jonathan Liliou. Après avoir tenté sa chance à ce jeu, il gagne plus de 41 millions de francs CFA. Une somme qu'il compte gérer à bon escient. On gagne des gros lots, mais c'est la première fois où vraiment on décroche un bon lot. Donc vraiment, on est fiers et on remercie la Lonabé et on souhaite encore gagner plus. Personnellement, moi je suis un boucher charcutier. Voilà, donc je peux mettre dedans ou bien dans mes analyses, je vois que vraiment ça ne va pas rapporter. Je peux virer dans d'autres projets, j'en ai beaucoup. Nous allons continuer encore à aller crescendo avec des lots plus grands pour nos parieurs. On a des parieurs aujourd'hui qui sont devenus de grands opérateurs économiques grâce à la Loterie nationale. La nationale des jeux du hasard profite de l'occasion pour s'excuser auprès de ses parieurs pour l'interruption de ses activités le 16 septembre dernier. Une interruption due au coup de force perpétré par l'ex-RSP. Par ailleurs, elle leur promet de grandes innovations les jours à venir. Sport à présent, match aller du 3e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans. L'équipe nationale féminine a été battue ce soir au stade municipal de Ouagadougou par les Éthiopiennes. Score final 2-0. Le résumé du match avec Kader Sawadogo et Mahamadi Wena. Ce match à huis clos pour cause de deux nationales n'a pas été du tout aisé pour l'équipe des étalons version féminine. Les juniors burkinabés font une entame de match difficile et sont cueillis à froid à la 7e minute de jeu. Les Éthiopiennes, par leur capitaine Laura Abera Guénor, d'une frappe croisée, ouvrent le score. Sur la lancée, les jaunes venus de l'Éthiopie dominent sans parvenir à faire le break. Après la demi-heure de jeu, les étalons se réveillent et commencent à se montrer dangereux. Hélas, la finition n'est pas au rendez-vous. La domination des Burkinabés se précise en seconde période, mais les attaquantes n'arrivent pas à pousser la balle au fond des filets éthiopiens. Et à force de vendager les occasions, les juniors Burkinabés encaissent un second but à la 109e minute sur un contre bien mené par la capitaine éthiopienne Laura Abera Guénor qui signe le doublé. Un but qui assomme les joueuses de Adama Dembélé. Le Burkina s'incline ainsi 2-0 dans ce match aller du 3e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine des moins de 20 ans. Le match retour en Éthiopie s'annonce difficile et même si tout est encore possible, les étalons juniors version féminine doivent se montrer plus efficaces afin de s'ouvrir le 4e et dernier tour qui mène à la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Hors de chez nous, entre Israéliens et Palestiniens, plus rien ne va. À chaque jour, son lot de violence. Un jeune Palestinien de 16 ans a été abattu ce matin alors qu'il venait de commettre une attaque à l'arme blanche contre des Juifs orthodoxes. Depuis le début du mois, ce sont 4 Israéliens et 17 Palestiniens qui ont été tués. Au sol, un Palestinien de 16 ans abattu par la police à Jérusalem. Ce samedi matin, l'homme venait de commettre une nouvelle attaque à l'arme blanche contre des Juifs israéliens, deux ultra-orthodoxes qui ont été légèrement blessés. Cette agression a été qualifiée par la police d'acte terroriste. Elle est la troisième du genre à se produire en 8 jours. La tension ne cesse de s'exacerber entre Israéliens et Palestiniens, à Jérusalem mais aussi en Cisjordanie et jusque dans la bande de Gaza. Ce vendredi, 7 Palestiniens ont ainsi été tués par l'armée à Gaza lors de la dispersion d'une manifestation. Aujourd'hui, les funérailles de plusieurs Palestiniens sont organisées, comme ici dans le camp de Shuafat à Jérusalem-Est. D'immenses cortèges accompagnent les cercueils. Depuis le 1er octobre et le meurtre de 2 colons en Cisjordanie, les violences ont tué 4 Israéliens et 17 Palestiniens, dont 6 agresseurs présumés. Une double explosion s'est produite ce matin lors d'une manifestation à Ankara en Turquie. L'attentat a fait au moins 80 morts et près de 200 blessés. Des milliers de militants s'étaient rassemblés à l'appel de l'opposition pour dénoncer la reprise des combats entre l'armée turque et les Kurdes. Ils chantaient danse, main dans la main, avant d'être précipités au sol par la violence de la déflagration. Une vidéo amateur tournée au moment de l'attentat à la bombe qui a frappé ce samedi matin le cœur de la capitale turque. Une double explosion devant la principale gare d'Ankara, le bilan est lourd, plus de 80 morts et près de 180 blessés. C'est l'attentat le plus meurtrier de l'histoire du pays. À quelques secondes d'intervalle, les alentours de la gare sont secoués par les deux explosions. Des milliers de militants venus de toute la Turquie à l'appel de l'opposition de gauche étaient en train de se rassembler. Ils entendaient dénoncer la reprise du conflit entre Ankara et les rebelles kurdes. L'origine de cette explosion n'est pas encore connue, mais selon le gouvernement, il s'agit probablement de 2 attentats suicides. Les partis visés par cette attaque dénoncent un acte ignoble et critiquent le pouvoir en place. Je ne veux blâmer personne en particulier aujourd'hui, indique le chef de l'opposition, mais nous devons souligner certaines choses. Est-ce ainsi qu'un pays est gouverné ? Nous pouvons vivre ensemble dans la paix. À 3 semaines de législatives anticipées, la Turquie est en état de choc. 3 jours de deuil national ont été décrétés. Fait désormais état de 86 morts. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Passez un bon week-end en compagnie des programmes de la télévision du Burkina. De culture et de tradition. Burkina Faso, c'est